السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو تصحيح واحد النموذج نموذج ممكن نموذج أولي لتقويم تشخيصي خاص بالثانية باكالوريا في التمرين الأول نطلب منكم تحويل ما بين الوحدات وهذا الأمر خاصكم تكونوا ضابطينو ميبقاش عندكم مشكل وتكونوا كتعطيو الجواب على شكل كتابة علمية غادي نخلي لكم الجواب فقط للإستئناس بدون شرح التمرين الثاني لا غوبريزونطاسيون دان أتوم إي دوني بار إكس أ زد إكس

donc vous mettez N z qui atteint le nombre d'éléments protons ou A qui atteint le nombre d'éléments neutrons c'est-à-dire les protons et les neutrons et pour les filtres le nombre de neutrons qu'on a place, la lettre N et la première fois qui est ça il y a A moins Z A le nombre de nucléons n Z le, voir, le nombre de protons voilà et exercice numéro trois. Attends comme des entités chimiques les hommes H A L S attend comme également le numéro atomique le nombre de protons, le nombre de neutrons et le nombre d'électrons, Donc, l'hydrogène. il le numéro atomique est à 1. Donc, automatiquement, le nombre de protons est égal à 1. Et nous avons Z, le nombre de protons, et le nombre des électrons également. Donc, Nous De même, pour l'aluminium, 13. 13. Pour le carbone, 6.

13. Donc 27 moins 13, ça 14. Le carbone, donc, le carbone c'est 6, 12. Donc on a 12 moins 6, 6. 6. And là le symbole de l'élément chimique le plus tablier ensemble qui m'y l'actar

يمكنش انت تاني بكالوريا وتكون باقي عندك مشكل في هاد العناصر هادو دونك ضروري ترجع تراجعهم ا تيت غوبوزي و الى عندك شي تساؤل خلي لي في التعليق او سول الاستاذ القيس تتيما ديال 8 4 لا ريبريزونطاسيون دانيون اي اكس كيو مثلا كنلقى او دو موا كنلقى سي ال موا كنلقى ا ال 3 بلس دونك هاديك داكشي اللي كيكون مكتوب الفوق اشنا هو وهاديك اكس اشنا هي دونك اكس راه ديجا قلنا سي لو سامبول دو ليليمون كيميك C'est la charge électrique, c'est le nombre d'électrons perdus ou gagnés. Exercice 5, l'isotope d'un oui. élément est un atome qui a le même nombre de protons et un nombre de neutrons différents. Il y a des protons qui sont les les isotopes. tête a l'hydrogène H11, H12, H13. Donc le nombre de protons, au le Z, mais le nombre de neutrons est différent. Donc, maintenant, on doit cocher la deuxième réponse. Un nombre différent de neutrons, mais pas de protons. Ça veut dire que nombre de protons. Exercice 6. Une solution aqueuse d'urdure de potassium à 25 degrés Celsius de concentration molaire C a une conductance sigma. Première question, écrire la réaction de dissolution dans l'eau de l'iodure de potassium KI. La réaction de dissolution, c'est là. KI, c'est un solide. Qu'est-ce plus, que, moins, Deuxième question, exprimer la conductivité de la solution d'iodure de potassium KI en fonction de la conductivité molaire ionique de lambda k+, plus, lambda k- moins et la concentration C. Pour le tarif de la conductivité, on va utiliser la cahéde, qui est sigma, qui est le tarif de la

en premier à gauche parce que toujours on écrit le couple la qu'il ox slash red donc ox ou simplement regardez l'écriture du couple le réducteur est toujours écrit en premier non c'est faux parce que le réducteur est écrit en deuxième après le slash alors c'est faux troisième proposition Écrire la semi-équation d'oxydoréduction du couple. L'oxydant est toujours du côté des électrons. À je les électrons se l'oxydant. Écrire la demi-équation d'oxydoréduction du couple. Le réducteur est toujours du côté des électrons. Ça c'est faux. Donc la troisième proposition il est fausse. Choisir les propositions correctes. Un oxydant est une espèce chimique capable de céder à un ou plusieurs électrons. C'est faux. Car l'élément qui est capable de céder, céder -a des électrons, il s'appelle le réducteur. Un réducteur est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons, donc ça. La troisième proposition un oxydant est une espèce chimique capable de gagner un ou plusieurs électrons, gagner, est capté. donc ça. L'oxydant, c'est lui qui gagne ou capte. Un réducteur est une espèce chimique capable de gagner en plusieurs électrons, c'est faux. D'après Branche de laurie 1923, un acide est une espèce chimique pouvant céder un proton H+, capter céder un électron ou capter un électron. Donc l'acide, c'est l'espèce chimique qui cède, les protons H+. HA, qui est acide, ou le H, l'hydrogène, qui va céder sous forme d'un proton H. Exercice 10. On considère la réaction acido-basique entre une solution d'hydroxyde de sodium, Na, plus HO-, et une solution de chlorure d'ammonium, NH4, Cl-. L'équation de cette réaction est NH4, plus, plus, HO-, qui NH3, plus, H2. L'espèce chimique qui capte un proton, et l'hydroxyde. L'hydroxyde, ou H au moins. Au moins, ou l'élément liquide, ou l'hydroxyde. Mais Le sodium, c'est un ion spectateur. Et il y a une mutation, à cherche suis fait La deuxième solution, il y du chlorure d'ammonium. L'ammonium, NH4 ⁇ ou le mot a -faire. Béna, Mais il un c'est un ion spectateur. Ça veut dire qu'il ne va pas réagir. Alors, dans l'espèce, je me suis fait un petit Je ne NH4+ se H au moins. NH4+ plus a perdu un proton H+. plus yani Il a perdu un proton H+. Dès le proton H+ plus, il a été capté. Yani par H au moins. Donc, un hydrogène واحد. ou une charge négative ou juste les hydrogènes ou la charge négative la charge positive a a une charge neutre. H2O. Alors, l'espèce chimique qui capte un proton est l'hydroxyde. Oui. L'espèce chimique qui capte un proton, c'est l'ion d'ammonium. C'est faux. Dans une réaction, NH4, est la base. H est l'acide. C'est faux parce que l'acide, ou elle qui atteint les protons. On a atteint le proton, ou NH4, donc ce n'est pas une base, c'est un acide. Il y a un échange de protons. Oui il y a un échange de dans H3 et H2O non